J'aimerais que dans les parcs, que dans les villes, dans les arrêts de bus, les gens se mettent à pratiquer des petites pratiques de méditation en action et que ça devienne à la mode, que ce soit une pratique aussi courante que d'aller sur WhatsApp ou Instagram. Le silence dont je parle, c'est vraiment le silence intérieur, c'est-à-dire même s'il y a des bruits tout autour, même s'il y a de l'agitation, même si on est avec les téléphones portables, on peut apprendre une autre façon d'être avec, en restant connecté à soi-même, sans se perdre dans un téléphone, vous voyez. On continue à l'utiliser parce qu'on est moderne, mais on n'est pas complètement aspiré ou hypnotisé par la technologie.